J'ai même pas eu le temps de regarder autour de moi parce qu'on venait tout juste d'arriver dans la file d'attente. Pas le temps de dire un mot et puis tout à coup, il y a juste cet énorme bruit, on dirait la fin du monde en une seconde. Et je me suis trouvée par terre et il y avait de la cendre partout, c'était tout gris. Moi j'étais recouverte d'un truc marron, ça puait le cochon brûlé. Et je me suis levée et je suis sortie dehors le plus vite possible. Et puis les gens, ils m'ont dit que j'étais brûlée, donc je l'ai su. J'ai croisé un miroir, donc je me suis à moitié vue brûlée, mais j'ai pas trop voulu regarder. Mais ça brûlait juste. Puis le reste, la jambe, je la sentais pas trop, c'était les brûlures qui faisaient le plus mal. C'était impressionnant sur le coup, c'était impressionnant, mais j'ai pas eu peur plus que ça. Parce que peut-être que c'est parce qu'on a l'habitude de l'entendre à la télé ou quoi, mais non, ben, j'ai juste fait ce qu'il fallait que je fasse, rejoindre les autres, attendre les secours. J'avais pas spécialement peur, je savais qu'il y avait les secours qui arrivaient, les gens tout autour de moi, ils étaient super gentils, alors. Dans la salle, juste après, quand on nous a guidés vers la salle. Bah ouais, j'allais pas passer ma journée à pleurer. J'ai pleuré un peu hier, mais ça va. Sinon, je vais me déshydrater. Il faudrait pas quand même. Ça va. Des blessés de partout et en tout genre, de tous les âges.